C'est parti, on est dans Minecraft, dans la mise à jour de la potato, qui est une snapshot pour l'instant. Et je n'ai pas accès au tab, peut-être parce que tout simplement parce que je suis en solo. Et on a de la chance, on a un village. Il y a des maisons sous l'eau? Ah non, je rêve. Alors, a priori, on peut faire des choses incroyables avec les pommes de terre, donc. Wow! Qu'est-ce que c'est? Les piédestals. Sûrement un bloc qui existe déjà, mais comme je joue beaucoup avec des serveurs qui n'ont pas de village, je n'en étais pas conscient. Alors. Très bien. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Bon, il n'y a quasiment pas de maison intéressante dans ce village. J'ai trouvé des blocs de foin pour me faire du pain. Oh, il m'a fermé la porte au nez. Là-bas, je crois que c'est un balcon qui donne sur rien du tout, c'est ça. Un coffre. Allô. Il est enfermé depuis sa génération. Bon, c'est encore une petite maison inintéressante. Enfin, sans coffre, je veux dire. Bon, on va accélérer un peu le processus. Pour passer aux choses intéressantes. What? Je rêve ou ça m'a rien donné alors que j'ai cassé. Je pense que c'est le villageois qui l'a récupéré. Non, ça drop rien. Peut-être que j'attends qu'elle soit. Bon, alors. Ok, on va passer aux choses intéressantes. Bone meal. Beaucoup plus que ça. Ah. Ça c'était du blé. C'est des carottes. Donc j'ai eu des pommes de terre. Et j'ai eu une potato. Ah. Venormous potato. Je peux la manger, mais elle me continue juste mon poison. Ok. On va regarder ce que je peux faire avec. Alors, je suis censé pouvoir faire une hot potato avec un seau de lave. Et puis c'est à peu près tout, hein. Je vois pas de truc exceptionnel. On va faire du pain. Alors, oh là là, il y a des tonnes de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Potato Bakery. On dirait un élément redstone. Potato Bud. Ça, on dirait une stalactite, stalagmite.
Ah, je peux pas le poser. Potato button. Juste un bouton qui est vert. Ok. Bon, on va peut-être pas tous les faire. Oh, potato. Hey, eyes. C'est un œil de Lender texturé? Ah, il a fait. Accélérer un peu le la marche à suivre. Ok, on va par là. Ouais, bon, on va aller par là pendant un moment. Sais pas s'il y a un truc à découvrir avec ce machin là, mais ça va dans le sens inverse. Oh. On voit rien du tout. On est censé trouver ça, je pense. Voilà. Alors, les loots intéressants, c'est des pommes de terre empoisonnées. Sinon, ça ressemble à du stuff de donjon assez classique. Alors. On va se donner de quoi scrap du stuff et wood. Alors log. Alors hop, pour explorer un peu ce coin-là. What? Ah, je savais pas qu'il y avait une icône comme ça. Ah, parce qu'il y a plusieurs crafts. C'est nouveau ou c'est juste la première fois que j'ai des pépites et des blocs de fer? Je ne sais pas trop. Donc, papapapap. Une pioche. Ok, on est pas mal. Donc par exemple si je... Oh, ça se casse lentement. Peut-être pas la bonne pioche. Se casse excessivement lentement. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Ah oui, non, ça elle va m'en vouloir. Il y a eu un bruit d'araignée en même temps, je sais pas si c'est normal ou pas. Alors, ce que je pourrais essayer de faire, c'est de drop, soit de... Oh bah voilà! Pas plus compliqué que ça. Allez, fais quelque chose, petit truc. Ah, faut que je passe dedans.
Ah, il y a vraiment une autre dimension. Oh, mon Dieu. Oh là là. Et c'était le même contenu du coffre, étonnamment. Comme s'il y avait un rapport entre les deux générations. Wow. Bon, il y a probablement un pack de textures essentiellement. Non, c'est que des nouveaux blocs ou pas? Pile Crass Block. Bon, les arbres, ils se ressemblent beaucoup. On est en quel biome? Arboretum. Ok. Suis sûr qu'il y a moyen de faire une aventure sympa dans ce genre de monde. Ah, on peut faire pousser des pommes de terre. Oh. Alors, on dirait de la terre. Avec un son étrange. C'est des champignons, tout classique. Ça, c'est du bois de potato plank. Est-ce qu'il y a des potato tree pour aller avec? Ça a l'air d'être des arbres classiques. Est-ce qu'on peut faire des bûches avec des pommes de terre sinon? Alors, je suis pas sûr de savoir comment on obtient ces potato planks. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, ça brûle. Ça ressemble un peu au Nether, je trouve, en termes de génération. Si ce n'est qu'on voit le ciel. On va aller voir un peu en spectateur s'il y a des trucs intéressants. Il y a encore des chemins et tout. Là, on dirait des champs. Est-ce qu'il y a des villages? Des chemins, il y en a, il y en a. On est très haut, visiblement, vu qu'il y a les nuages ici. On est à couche 100. Est-ce que je vais trouver quelque chose au bout de ce chemin? Il y a des chemins partout. Oh! Un potato village. Avec des moutons potato. Je me demande si c'est pas une copie du monde de... Non, on n'avait rien d'aussi haut. Le village n'était pas aussi haut tout à l'heure. Ah, ça c'est un potato tree par contre. Il ressemble aux acacias. J'ai obtenu une pomme de terre ou je rêve? Ah non, une potato sprout. Bah voilà, tous ceux qui disaient que Minecraft pouvait pas rajouter beaucoup de contenu par mise à jour. Hop, c'est fait. Potato sprout. Donc c'est une pousse d'arbre, j'imagine. Yep. Ok. On a des cochons. Est-ce que par hasard, il faudrait pas les nourrir avec des pommes de terre? Je sais plus. Je crois que c'est des carottes d'habitude, mais je suis pas certain. On a des zombies classiques. Ouais. Ça, j'imagine que c'est des barrières. Ah, je l'ai pas drop. Alors, on a des villageois qui ne veulent pas échanger. Ça aurait été fou s'ils avaient fait chaque truc différent. Il y a un bois potato. Oh là là. Un fruit de potato. Est-ce que je peux en faire quelque chose? On dirait pas. Maintenant, j'ai de quoi faire du bois de pomme de terre. Un spider jockey potato. Je sais pas
pas si ça va augmenter la la chance que ça spawn ou pas. Ah, là-bas, il y a ces espèces de machins dont je me suis give tout à l'heure. Un exemplaire, à mon avis. Il y a vraiment des chambres pommes de terre partout. Ah, je sais, je vais me donner des élytras. Élytras. Toc. Et des firework. Rocket. Voilà. Oh, il y a même un mineshaft avec des chaînes. Oh, j'en ai vu une pousser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des stalactites, non? On peut essayer, hein. Ça ressemble, c'est la texture des stalactites. Toc. Aïe, ouais. Vu les dégâts que ça met, vu le... Avec une faible chute. Et elle pousse toute seule. Ok. Alors, moi, j'aimerais aller voir là-bas. Les poules qui tombent, pas de soucis. Aïe, aïe. Oh, oh. Ah, c'est en bois, il y a du feu. Ça sent pas très bon. Même un spawner à araignée là-bas. Ouais, c'est clairement une structure de mineshaft. Ils sont suspendus avec des potato pédicules. Ressemble à des chaînes mais qui se cassent vite. Ok. Les mobs classiques. Ah. On va décoller. Être embêté. Oh, je vais me faire tuer si je vais voir le spawner. Alors, il y a des améthystes, très classiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce monde? On a des blocs volants. Ce qui contiennent des choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est comme bloc? Du flotato. J'aurais dû m'en douter. What? Ça par contre c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est des ouf Minecraft. Mon dieu. Dans cette mise à jour qui a l'air d'être super nulle, ils ont quand même rajouté un bloc qui a la possibilité de se poser sur rien du tout. Donc si je le pose sur un bloc existant, il se pose sur un bloc existant. Mais sinon, il se pose dans l'air. C'est génial! Oh, j'espère qu'ils vont mettre ça un jour dans Minecraft. Je sais pas comment ils les appelleront, mais pour les chemins, ça serait super utile. Ça, c'est des vaches taito, j'imagine. Je suis embêté par des fantômes. Aïe, ouais. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça avec des élytras? Probablement. Mais alors, comment je fais? Je mets un bloc. Alors, pendant que je suis en train de monter, je mets un bloc et après je me débrouille pour atterrir dessus. Mal joué. Je veux atterrir sur mon flotato. Ah, ah, c'est trop petit! Je vais pas m'en sortir. Ils ont refait tous les mondes, tous les biomes, beaucoup en tout cas on dirait. C'est étonnant qu'ils aient mis à la fois des arbres spéciaux à cette dimension et à la fois des arbres classiques.
Oh, qu'est-ce que c'est ça? On dirait des guardians. Around the potato. C'est des guardians. J'ai l'impression qu'ils s'assemblent. Peut-être juste ils étaient dessus l'un sur l'autre, mais. Il y a encore du fantôme. C'est des guardians qui sont hors de la terre. Qui sont pas trop gros et qui dropent de la rosine to résine toxique. Est-ce que je peux en faire quelque chose de cette résine? Je peux faire une potato d'or. Clouded Clarity Fishy Limper. Il y a du slime. Il y a de l'eau qui empoisonne. J'ai eu l'impression que je passais à travers ce slime là. Supposer que c'était une impression. Bon, vu comment elle est vert l'eau, fallait s'attendre à ce qu'elle empoisonne. C'est un minerai ça? C'est des chorus. Sauf que j'ai l'impression. Powerful Potato. J'ai l'impression que ce sont des chorus qui font effet dans le sens où on s'y attend pas, c'est-à-dire qu'ils font des racines. Est-ce que je peux en faire quelque chose en craftant? Pas l'impression. Ah, j'ai touché l'eau, j'imagine. Wither les vilains. J'imagine que Around the Potato, le succès que j'ai eu, c'est visiter tous les potato biomes. On revient dans un biome avec un peu plus de mix. Ah, c'est l'arboretum, celui pour lequel j'ai regardé. Là, c'est le biome H. Juste avant, on était dans Field. En vrai, je pense que ce serait marrant de jouer dans ce genre de biome. Qu'est-ce que c'est que ça? Vicious Potato. Je vais encore regarder s'il y a un craft et être déçu à mon avis, mais. Aïe, qu'est-ce qui me. Ah! D'accord. Elles m'ont tiré dessus, j'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'est ça? Gravateur. Pas un bloc qui se pose en l'air. Est-ce que c'est un bloc sur le gravier? Ok, bon, j'imagine que c'est juste des blocs qui nous tirent dessus. Ce qui est déjà pas mal. Apparemment, d'après le succès, on a visité tous les biomes. Je fais quand même un tour au cas où il y en a un que j'ai juste survolé. Encore un village. Je sais pas si on trouve des trucs. Bon, logiquement, on va trouver. Oh, il y a un. C'est nouveau ça? Il y a un labyrinthe. Avec. Des blocs de potato leaves.
Il y a... Ok, une maison de bibliothécaire. En vrai, on peut tricher dans le labyrinthe comme on veut, mais... Oh, les zombies pommes de terre. Si, j'avais déjà vu, je crois que c'est des zombies classiques qui ont un... Ah non! Il y en a différents. Creepy potato. Oh, il a contaminé un zombie. Ils sont incroyables. Et il y a des chauves-souris pommes de terre. Qui donne des pommes de terre empoisonnées. Et là-bas, on a un spawner. J'imagine que c'est un spawner de zombies. Ouais. J'ai pas trop envie de mourir. Je ne suis que full fer. Il y a un spawner à zombies. Je l'ai perdu de vue. De pas si bas. Ah, il y a des grottes aussi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Incorrect for gold tool. Potato iron ore. Alors, give hydrolien. Tiens, on peut y aller. Netherite. Pickaxe. Hop, soyons fous. Ah, mais je peux pas le casser non plus. Shovel. Axe. Qu'est-ce que il m'a dit? Incorrect for gold tool. Est-ce qu'il me faut forcément un truc en gold? Gold. Golden pickaxe. Golden shovel. Ah, ça me drop. J'ai trop de trucs dans mon inventaire. Non, bon, je ne sais pas comment c'est censé se casser. Mais ça fait peut-être partie de la blague. Oui, parce que c'est pour le 1er avril que Minecraft a sorti tout ça, bien sûr. Hop, on va reprendre mes flotatoes, je les aime bien. Alors, qu'est-ce que je vais aller voler? C'est bien. On va essayer de les taper. Rien de spécial de ce côté-là. J'ai perdu mon spawner, moi. C'était pas très loin du labyrinthe. J'avais visité la maison. Bon, je crois que c'était un spawner à zombies classique. Ah, c'était là. C'est des zombies classiques. Le loot classique avec des pommes de terre à la place des diamants ou du fer. Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses? C'est un... Oh, il y a de la redstone. Mais je peux pas la casser. Est-ce qu'il y a une potato pickaxe? Non, ça devrait être là.
Black potato pill. Il y a encore plein de choses. Bon, je sais pas comment on casse les minerais. Comme on a la dimension des potatoes, les améthystes sont pas des améthystes. Et c'est les seuls endroits où on trouve de la pierre que j'ai vu jusqu'à présent. Eh ben, on a un chouette univers, franchement. Oh, un bateau échoué, on va aller voir. Il y a même un puits. Là, l'eau n'est pas empoisonnée. Malédiction, ornement des littoraux. Ça a l'air d'être du stuff de bateau assez classique. Je sais même pas comment on sort de cette dimension en fait. Bon, c'est pas grave, mon objectif c'est pas trop d'en sortir, mais quand même. Un petit vicieux, je vais me taper. Ça m'a tiré dessus. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine.